peux rentrer chez vous là? Ouais. Allez. On est un centre esthétique, donc on fournit toutes les prestations possibles esthétiques, mais on est avant tout un cabinet conseil. On connaît tous nos clients. On a une salle d'exposition. Qui est cet artiste? Alors, elle s'appelle Florence, c'est une cliente à nous. L'adresse exacte, c'est 18 Cours de Verdun. 18 Cours de Verdun. Alors, on va faire une petite visite, petite visite guidée. On va aller derrière et tout ça, on va montrer un peu l'ambiance et surtout la philosophie du lieu. On y va. Allez. La salle Pilates. C'est du coaching en fait, c'est du coaching sportif individuel. Mm-hmm. Donc en fait, Sophie exerce depuis 14 ans chez nous, elle prend les gens en individuel et elle les fait monter à leur objectif. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est essentiellement pour travailler la posture, c'est un accouplement de la musculation et du yoga en fait. On se sent bien là. L'objectif ici, c'est pas d'avoir 20 personnes en même temps et avoir des entrées et sorties. C'est vrai qu'on préfère avoir les clients un par un, deux par deux et au moins ils se sentent chez eux. Une petite cabine assez sympa. Pour tout ce qui est relaxation, confort, cocooning en fait, voilà, c'est la salle cocooning. Massage du dos, des jambes, des mollets, des pieds pour les restaurateurs d'à côté. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Facial. Donc, tu t'assois. Ouais. T'as le siège massant. T'as la ventilation, tu mets tes mains dessous. C'est tu génial. Tu poses les mains, le buste, le visage. La cliente, elle s'assoit, puis elle attend. Elle attend. Que la machine se baisse. Elle se met des lunettes, évidemment. Elle se met ses lunettes élevées, vaut mieux. Et puis voilà, donc elle règle son truc, c'est son intensité du siège massant comme elle veut, la ventilation comme elle souhaite. Puis elle ressort, elle a une mine resplendissante. Combien il faut de séances pour avoir une bonne mine? Déjà une séance, t'as déjà une bonne mine. Ça fait. Donc, c'est la haute pression, mais debout, voilà. Donc ça évite les traces en dessous des bras et en bas du dos. Donc tu te mets debout 15-20 minutes. Prendre de la haute pression, donc ça, c'est bien de la coupler avec des basses pressions qu'on verra après aussi. La basse pression, elle est faite surtout pour faire monter la mélanine à la surface de l'épiderme. Donc c'est plus préparation, entretien du bronzage. Et c'est un bronzage qui va être progressif mais qui va tenir dans la durée. Après, la haute pression, c'est de la coloration directe de mélanine. Donc c'est un bronzage qui tiendra moins sur la durée, d'où le couplé avec la basse pression sur une ou deux séances. C'est la haute pression, toujours pareil, mais au lieu que tu sois debout dans la colonne, tu es allongé. Avec la possibilité aussi de bronzer sur le dessus des épaules, ça les machines elles ont pas toutes. C'est la seule qui fait une haute pression visage et corps en fait, parce que généralement elles sont toujours couplées avec de la basse, nous elle est haute visage et corps en fait. Pour faire monter la mélanine, entretenir et préparer ton bronzage, avec une partie haute pression sur le visage et basse pression sur le corps. Et tu peux couper le visage parce qu'il y a des clientes ou des clients qui ont des problèmes sur le visage. Et la dernière salle, la salle Célu. C'est l'UM6. C'est l'UM6 qui permet d'enlever la cellulite, élasticité de la peau, esthétique de la peau. Donc 35 minutes de massage couplé d'un massage manuel avec la crème adaptée. Tu te mets dessus, on prend une photo avant, pendant et après. D'accord. Voilà, donc c'est un coaching, c'est pour ça qu'aussi on complémente le conseil, c'est-à-dire que on voit les zones où il faut plus ou moins travailler, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'est pas sympathique, on reviendra. À bientôt. Redis-moi l'adresse. 18 Cours de Verdun. Une bonne adresse à ne pas manquer.